Trop fort. C'est moi qui l'a fait celui-là. Excellent. Bon allez. On va s'y remettre. Hop là. Bon, c'est reparti. Alors là, pour le coup, pareil, je vais faire un petit bout de tissu là, celui qui est sur le bras. Sous le bras. Clairement. Ça va être de l'impro niveau couleur, hein. Je vais pas faire la même chose. Mais je vais rester dans l'esprit. Dites-vous que même si c'est pas exactement les mêmes peintures ou quoi, c'est pas très grave, hein. Encore une fois, ce qui compte là, c'est se dire que c'est l'idée qu'il y a derrière, la façon dont c'était fait. Plus que autre chose. Donc là, en fait, je vais faire un petit bout de tissu, justement, un peu dans l'esprit pastel toujours. Donc, je vais utiliser des couleurs cette fois-ci. Voilà, ça, ce sera ma base. Le cher elfique de la gamme Games de chez Prince Auguste. Ou Valero, hein, je pense que c'est pareil. Dedans, en fait, je vais simplement faire des petits glacis légers. Et je vais prendre ces petites couleurs-là, la pastel, là, c'est joli. Ça va rajouter un peu de couleur sans être trop fort non plus. Puis après, je vais simplement reprendre légèrement les éclaircies et puis finir avec un ivoire et ce sera très bien. Parce que l'idée, c'est que pour des tissus comme ça, la difficulté, c'est pas de lui donner un aspect lourd. Donc ce que j'entends par lourd, c'est avoir des contrastes beaucoup trop forts, beaucoup trop foncés, en fait, qui vont alourdir, on va dire, graphiquement la matière. Et là, on va essayer de conserver cet aspect un peu léger. Oui, un peu comme dans les films de sabre chinois, là, où il y a toujours des gros morceaux de tissu qui volent au vent, des trucs en soie tout transparent. Voilà, c'est un peu l'idée derrière. Donc, pour essayer de retranscrire ça sur un truc solide, évidemment, c'est pas possible. Mais c'est juste que on peut jouer simplement avec une légèreté au niveau des teintes qui va contribuer simplement à éviter d'avoir un truc qui ressemble à un gros rideau. Lourd du Moyen Âge quoi. Donc là je prends cette couleur, le cher elf là, qui est pas mal parce que c'est une sorte d'ocre un peu très clair, un peu ivoire au final, hein, plus. Mais surtout que du coup ça me fait une couleur un petit peu chaude, ce qui va être pas mal étant donné que l'armure en elle-même reste assez froide. Le vert, lui, a chauffé un peu dedans, mais le violet, il est venu complètement tout refroidir, et le blanc, pareil. Puis c'est une couleur qui est assez chouette, assez douce, j'aime beaucoup. J'utilise souvent ce pot, mine de rien. Quelle couleur? Le cher elfe. Ah, il est bien. Je l'aime bien pour éclaircir des cuirs, des Ouais, non, mais peaux. le cher elfe et même le cher bronzé est bien Il est pour vraiment cool. certains trucs, mais le cher, il est génial aussi, non? Pour des bronzes ou des cuivres, c'est vachement Ouais, ça cool. aussi c'est bien pour le NMM, ouais. Je sais pas si on le voit trop à l'écran aussi. Bah, tu le vois, tu l'as en face de toi. Un petit peu, ouais. Ça va venir se démarquer après. Je pense une fois que je vais attaquer les ombres. Donc en gros c'est un peu ça l'esprit peinture Cineworld, c'est trouver en fait des teintes avec des couleurs pastel et contrebalancer en fait par deux trois éléments qui vont eux ne pas être pastel pour que justement ce soit pas que toute la figurine qui soit comme ça par peur de perdre un peu en lisibilité quoi. Et surtout de faire des choses foncées à côté de clair, ça permet de les rendre beaucoup plus lisibles et séparés. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, t'as dit qu'il y a une pause, il y en a plein qui sont partis en pause. Bon, c'est pas grave, j'y retourne, moi. Je suis chaud, là. C'était chaud. Là, il fait un peu plus frais que tout à l'heure, je peux se Il y a sentir. un monsieur Logoche qui dit coucou. Donc, Ah, salut. salut Logoche. Salut. Donc là, bim, on est toujours sur la base. Rien de...
Je ponce, je ponce, je ponce. Rien de fou. Bon, je vais arriver à la lame de l'illustration. Ouais, pas longtemps. Mais je vais juste attendre un peu aussi que ça sèche bien pour pas créer des trucs dégueulasses. Tu as le gauche qui demande comment ça va ici. Bon, ça va plutôt bien. Ouais, tranquille. Vous avez vu, j'ai pris de la barbe et tout. Des cheveux longs. Et je sais pas. C'est Donc, ça. vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon stream. Sauf que je suis dans le fond. Je suis en train de poncer. En plus, on te voit sur Ouais, je sais. l'image où je suis là. Armie a pris son café, ses petites pilules de jeu. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fini, là. C'est compliqué. Hein. Tu sais que des fois, ils me font prendre le café à 23h, c'est ça le môme. Hein. Parce qu'ils savent que je suis debout jusqu'à 2h après derrière. Trop fort. Ouais, parce que comme eux, tu sais, le samedi, eux, ils se disent, bah c'est bon, demain c'est dimanche, je peux rester jusqu'à 2h du mat, quoi. Ah bah c'est l'enfoiré, ils me font faire Steph un café, je dis, ouais, ok. En fait, ils me droguent. Ils te maintiennent en vie en fait. Non, ils me droguent, ils me droguent, c'est Pour que tu différent. sois toujours éveillé. Putain, mais moi, même 2h du mat, j'y arriverai pas, je crois. Je tomberai en fait. Bah oui, mais t'as vu à quelle heure tu te lèves? Je me lève à midi, moi. Oui, c'est pour ça. Tu sais que la plupart des viewers, c'est des gens de la nuit, Oui, bah, je suis pas étonné. hein. Avec toi. Oui, j'ai pas beaucoup de. D'ailleurs, je les ai un peu perdus parce que je travaille, je suis plus. Parce que je faisais des lives jusqu'à 3-4 heures du matin, moi. Bon voilà, là la couche de base elle est quasiment prête parce que ce qui est pas mal c'est que la sous-couche est en blanche, la couleur étant elle-même très claire, bah, ça couvre bien. Donc là, pas de soucis. Je vais juste m'assurer que ce soit bien opaque La lame, partout. je l'ai divisée en deux, quoi. J'ai niqué toute la sculpture que j'avais faite dessus. Le mec il dit on le drogue mais en vrai il consomme tout seul comme un grand. C'est qui dit ça, le gauche? Ouais. Ça m'étonne pas. C'est la personne qui m'a dit d'aller faire des streams. C'est vrai? Oui, c'est un élève. Trop fort. Un élève que j'ai rencontré à. Que j'ai rencontré Bon voilà. à. Comment ça s'appelle, la cellule grise. Là, je vais attendre que ça sèche. Quand même. Ah, elle est quand même plus cool la lame comme ça, putain. Parce que sinon ça va pas être terrible. Ça va me créer de la merde. Et après on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vais même plutôt y aller avec ça, ce sera plus joli, tiens. Hop. Ou ça. Non, ça c'est pas mal. Ou quoique. Parce qu'en fait j'ai pris plusieurs pots hein, pour un peu composer sur place certains trucs. J'étais pas exactement sûr. J'ai pas pris beaucoup de temps pour me préparer non plus parce que j'avais trop de trucs à faire. J'y suis allé en mode Walou. C'est pas encore sec. Ah. On a certains creux là. Bon, j'hésite. Je vais passer avec ça ou ça. On verra. Ça fait des jolies teintes. Oui, c'est un petit peu plus. On verra bien. Ah ouais, carrément. Donc je vais juste faire cette petite partie hein, de tissu hein, parce que en plus j'ai pas traité le reste donc ce serait contraignant pour la suite.
Bon, ça doit être pas mal, on va voir. Donc là, je vais commencer à faire. Je vais jouer en fait avec deux couleurs là-dessus. Pastel. Je vais déjà faire des petits glacis dans les ombres avec ça, là, le Luganate Orange de chez Citadel, qui est super beau. Qui a vraiment une belle teinte. Et qui ira bien pour rajouter un petit peu de ton chaud dans la figurine. Et après, je vais venir casser ça un petit peu plus. Dans certaines ombres en jouant. Ah, tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais jouer avec deux autres couleurs dedans que je vais rajouter ici et là. Donc il y a le Ghost Blaster Green, pareil de chez Citadel, qui est chouette. Un beau vert pâle, vert pastel. Et je vais prendre le Azur de Prince Auguste, celui qui est très joli. Ouais, il est très beau celui-là. Et je vais jouer un petit peu avec ça. Donc il y aura un peu tout ça dessus, de mélanger, qui va se mixer dans le sens où je vais juste les caser un petit peu par endroit. Mais déjà, je vais faire un petit peu les ombres avec le Luganate, qui est un peu vieux là, mais ça devrait aller. Donc je vais bien le diluer. Pas trop en fait là ce qui se passe sur la palette, Sinon, tu mets ta dilution sur ton pouce et tu passes à l'écran. Sur ta donc l'ombre. je l'ai bien dilué. Sur l'ombre de ton pouce. Ouais, Symbole. elle est bien diluée. Tiens, on va faire comme dit Steph là, hop, Tu montes sur l'ombre de ton pouce, comme ça voilà, il voit. Voilà, c'est exactement ça. Comme ça, il voit la on différence. voit que c'est très léger. Et donc là, je vais venir le pousser en fait dans les zones d'ombre. Donc, qui sont du coup représentés en fait dans un premier temps au niveau des creux dans le tissu. Et puis après, il y a certains volumes en fait qui se dessinent un petit peu aussi plus dans les ombres. Du fait que le tissu par endroit, il est un peu tordu et tout ça. Donc, il faut suivre tous ces volumes. C'est pas toujours évident aussi hein, la compréhension des volumes en 3D, mine de rien. Parce qu'il faut réussir en fait à visualiser dans sa tête les zones qu'on va justement assombrir et éclaircir dès le début. Donc même s'il y a certains trucs qui sont plus faciles à trouver que d'autres, il y a effectivement d'autres qui peuvent bien prendre la tête. J'ai un petit peu débordé. Hop. Donc je vais venir en refoutre un petit peu là-dedans. Donc faut que ça reste très 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 léger. C'est vraiment garder cet esprit pastel. C'est ça qui va déterminer justement toute la personnalité, le caractère de la figurine. C'est ce qu'on peut donner via les couleurs, via les aspects. Enfin, l'aspect qu'on veut faire ressortir. T'as la gauche qui dit mort de rire. Hein. Tu sais que ma femme est passée un peu vite. Elle m'a dit tiens, Army est passé chez l'ennemi et utilise de la citadelle. Après avoir regardé un peu plus l'image. Sans voir que c'était toi, justement. Bah tu vois, il y a des gens que j'ai tellement influencé Après, qui il y a me des sont. bonnes choses dans Citadel, hein. Oui, j'aurais dit hein, qu'il y avait des bonnes choses. Moi, je l'utilise beaucoup en complément, en tout cas. Hein. Moi, quelques-uns en base, mais comme j'ai encore beaucoup, beaucoup de P3. Ben, la P3, je la préfère. Ça, on est d'accord. Bah tu vois. Mais là, en l'occurrence, c'est une couleur que tu as nulle part ailleurs. Oui, c'est ça. C'est des couleurs. Moi aussi, mais j'utilise comme j'utilise pas, j'achète pas Cet celle-là. orange, hein, il est vraiment chouette. Mais c'est vrai que je préfère la P3 aussi, perso. Nettement, un super Dommage, j'en pigment. ai gardé un taquet, c'est toi qui as de la boutique. Hein. Ah bah t'as. Bah, j'ai quasiment tout gardé moi. C'est bien, moi j'ai la gamme complète, mais après il y a des peaux qui commencent à morfler là. Il y en a quelques-uns que j'ai en plusieurs quantités, mais. Voilà, là je crée petit à petit
les ombres. Ça va me donner un ton un peu orangé. D'ailleurs, ça ressemble pas mal au final à l'orange qui avait été décidé sur le petit pagne des Celsim Cynwall. C'était parti un peu comme ça, sur un ton un peu ocre jaune clair, et puis on faisait des petites ombres légères avec des peintures orangées. Il y en avait une chez Prince Auguste, un peu comme ça, que j'aimais bien, qui était, mais je sais plus c'est quoi. Une peinture un peu orangée, comme ça, un peu pastel. Aura, Hein? aura. Non, je sais plus le nom. Ah oui, les contrastes, c'est intéressant. Hein. Moi, j'aime bien, Ah perso. Hein. oui, Je les utilise beaucoup. nous qui aimons bien les glacis, le C'est clair, contraste, c'est c'est un trop espèce de cool. mélange entre des encres et des lavis. C'est vraiment cool. Cam Orange, Bright West, c'est peut-être ça, Amy. Ah, ça c'est Rémi, ça. C'est peut-être ça. Mais pour être honnête, je me souviens plus du nom. Mais il y a de fortes chances que ce soit ça, parce que je me souviens qu'il y avait un truc du genre que j'utilisais. Eh, sans déconner, lui il doit avoir je sais combien de pots de peinture lui. Ça doit être ouf hein, Rémi. Hein. Bah quoi, t'en as pas mal aussi toi. Ouais, moi je commence à en avoir beaucoup aussi à la maison. Puis Bah j'aime bien acheter les vieilles gammes de peinture, moi, ça c'est mon kiff. on a une sacrée collection de games, non? Ouais, des vieux games, putain, j'en ai un paquet. Ouais, moi aussi, ils sont dans une boîte, je sais pas trop où aussi. Puis là récemment, j'ai topé des vieux pots de chez Target Games, la peinture Warzone. Et ça, je suis bien content. Et tu sais qu'ils sont nickel. Ils se conservent super bien aussi, ceux-là. Ils sont comme les vieux Citadel. Après, je sais pas ce que ça vaut, ça doit peut-être pas très bien couvrir, mais c'est pas grave. Rémi dit, j'ai tout ce qu'elle colore, tout P3, tout PA et tout contraste. Tout PA! Putain, ça en fait du PA, ouais. Putain, ça en fait du PA, parce qu'il y en a beaucoup PA quand même. Ah non, moi j'ai pas tout PA. Ah non, non, moi j'ai une gamme Hein. sup, j'ai une gamme Bright sup. Orange, ok, d'accord, ça doit être ça. J'ai complètement, moi, le minimum vital, parce que je fais beaucoup de mélange, moi, ça m'évite d'acheter des pots. Moi, PA, j'ai surtout en fait qu'on utilisait nous à Rackham. En fait, on avait 12-15 pots qu'on Bah, c'est définissait ceux que tu par m'as les. donné. Bah, c'est ceux que tu m'as donné. On les définissait par les couleurs magiques, en fait. Donc, c'est simple, il y avait le gris ciel, le bleu gris clair, le gris pierre, le. Comment? L'émeraude, le bleu salis foncé, C'est la photo que j'ai mise sur le Discord, tu vois. le. Comment? Le bleu marine foncé. Le camalement brun foncé, le. Comment il s'appelle le rouge foncé là? Marron Royal Navy. Marron Royal Navy, merci. Ça là, c'est le. Le camouflage japonais, je crois. Jaune cam. Ouais, c'est ça, c'est l'uniforme japonais. Uniforme japonais, merci. Et le magenta, évidemment, était dedans. C'était une couleur fétiche de Vincent, ça. Et le bleu violet en faisait partie. Et ouais, voilà, ça dans les pots, c'est à peu près les pots qu'on avait, De toute façon, l'ivoire. les gars, vous les avez en visuel, j'ai refait les photos dans le C'était à Discord. peu près ce qu'on utilisait presque tout le temps partout. Bah, moi, c'est ce que j'utilise tout le temps, partout. Et après, on dérivait, quoi. Donc là, je commence à avoir un truc sympa. Donc j'y vais tout doucement, hein. C'est pareil, je fais des petits passages successifs. Avec la peinture diluée, donc bon, là ce qui est bien, c'est que, étant donné que c'est une peinture qui est plus saturée en pigments, le travail de glacis, là, il se fait très très vite. Et là, en fait, c'est des passages légers, successifs. Donc il faut faire attention, hein, faut bien contrôler son geste. Faut toujours pousser le pigment, du coup, dans les ombres, quand on fait les ombres. Et puis, au fur et à mesure des passages, au fur et à mesure, en fait, comment? Le pigment, il va de plus en plus prendre sur la surface. Mais là, il prend bien. Donc, il faut faire gaffe. Ça fait partie un peu de ce que je disais tout à l'heure, hein, s'adapter avec les peintures. Faut faire attention, elles réagissent pas pareil. Hein. Il y a la couleur qui change au séchage aussi, sur certains gris. Ouais, effectivement, ça arrive, ça aussi. Voilà. Bah là, ça fait déjà une jolie teinte. Un peu plus chaude. Qui va venir un peu contrebalancer le reste. C'est marrant parce que la peau là, à la caméra, elle paraît ultra saturée dans les ombres, c'est terrible. C'est pourquoi? Parce que j'ai Ouais, changé le c'est le visuel. rouge en fait. Parce qu'en fait, Mais c'est pour bon, qu'on voie ton blanc. c'est pas grave parce que de toute façon là, ça, la couleur, elle fonctionne bien sur le drapé.
Donc, en plus de ça, là, j'ai fait à peu près partout avec l'orange pour faire les ombres. Et du coup, je vais revenir avec par endroit un petit peu de Gloss Blaster Green et par endroit un petit peu de Azur. Un peu là-dedans. Ça va un petit peu se mélanger à tout. Ça va créer en fait un tissu avec des petites nuances plutôt sympas. Et ça va rester léger. Parce que là, la difficulté, c'est juste le dosage, l'équilibrage, s'assurer que ce qui est fait, en fait, devienne pas une sorte de truc avec trop de couleurs où on comprend plus rien. C'est juste là pour accompagner. C'est des petites touches légères. Donc ce que je vais faire, c'est que Faut que je frappe ta main. le vert étant assez pâle, je vais plutôt le foutre dans la transition de l'orange avec la couleur de base. Et par des petits glacis, ça va venir un peu changer la couleur. Parce que, en fait, si je le mets là trop dans les ombres, ça va pas trop marcher. Parce qu'il est légèrement plus pâle que l'orange. Enfin, il est moins intense, en fait. Donc, je suis pas certain que ça fonctionne. La première fois, quand tu as dû faire une fille, tu as dit putain, faut que je la clean, faut que je la clean, faut que je la clean. Non, Où? celle-là. Quand tu les as fait, les premières, ça Les devait être premiers Sinoul? quoi? Ouais. Bah, quand je les ai faits, surtout, c'était la galère. Parce que je me suis fadé Oui, je la boîte sais. de troupes en entière d'un coup, quoi. J'ai fait 12 piétons d'une traite. En tous ensemble. Voilà. Donc là, je faisais tout le noir partout, tout le monde ensemble. Toute l'armure partout, tout le monde ensemble. Tout le visage. C'était un peu chaud au départ. Ah, on voit pas beaucoup le vert. Non, mais après, il est très dilué, donc il va ressortir un peu. Faut que j'insiste un peu. Mais ouais, les premiers Sinewall, c'était chaud. C'était le premier schéma qu'il fallait baser, et puis en plus sur de la troupe qu'il fallait peindre en masse. Et puis derrière, j'avais repeint un autre mec. Mais je l'aimais pas trop, la peinture que j'avais faite, là. C'était un guerrier mage, je crois, avec un bâton, là. La figue était cool, mais. J'étais pas très très content de celui-là. J'ai dit, parce que j'avais vraiment dû le rusher. Voilà, bon, par contre, c'est un peu Ouais, bizarre. ça forge le caractère, hein, tu m'étonnes, Rémi. De quoi? Comme ça qu'on apprend le boulot, hein. Comme on dit, c'est le Tu métier qui vois, rentre. quand la pub elle est pas lancée, toi, il y a ça, il y a là le truc qui tourne. Ah. Donc là, ce que je fais là, après, ça va se recorriger par la suite, hein. Quand je vais retravailler. Parce que là, ça va peut-être me faire des taches. Parce que c'est des peintures plus fortes. Je viens de faire ma cinquième coupe sur le bras gauche du bodyguard là. Oula, excusez-moi, ça bouge un peu. Ah oui, c'est parce que. T'as reculé? Il faut que tu me remettes le truc, toi, que je vois. Bah tu vois quoi? Ah oui, ok. Voilà, merci. Donc là, c'est très léger. Ça vient colorer un petit peu la couleur qui est en dessous. Donc la base, hein. Ça vient un petit peu par transparence, se mélanger aussi avec l'orange. Bon, il y a des petits trucs, c'est pas très propre, mais c'est pas très grave, ce sera corrigé ensuite. Je vais reprendre, parce que de toute façon, hein, c'est ça aussi peindre, hein, c'est faire, refaire des fois pour améliorer, hein. C'est pas toujours s'arrêter uniquement, j'ai fait une étape, donc je considère que c'est fini. En fait, non. La peinture est fine, on peut toujours la corriger. Même si des fois ça peut être un peu chiant, un peu galère, mais bon. C'est à force de faire les trucs, on commence un peu à piger et on commence un peu à voir ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, donc là, on voit un petit peu les tons verts qui viennent s'associer au ton orange. Donc je vais pas faire plus. Faut que ça reste léger. Et maintenant, je vais prendre le azur de chez Prince Auguste. Couleur que j'adore. Mais vraiment que Le azur? j'adore. Ouais. Ah, il est bien, hein? Et petit truc.
Tiens, je vais en profiter, je vais faire un petit aparté, juste parce que j'ai tout sous la main. Oh, le Si fameux vous prenez mélange. du azur avec le snake bite de l'époque, Attention, attention photo, attention. alors attention, on peut le faire avec, je pense aujourd'hui, peut-être du Kermat. XV88. Non, le Termat est trop marron. Parce que ça, c'est beaucoup plus jaune. Peut-être que le XV88 de Games, il peut fonctionner. Ou, s'il existe dans la gamme Prince Auguste Games, qui à cette époque, elle était sortie quand il y avait ça là, ils doivent avoir une sorte de snake bite. Ça doit pouvoir marcher. Et en fait, quand vous mélangez ça et ça donne un ton un peu vert, pâle, gris. Et c'était la couleur de base qu'on fabriquait. Donc c'était juste tout petit peu de snake dans de l'azur, parce que en fait, au niveau pigment, c'est très puissant le snake. Et ben, c'était la couleur de base donc d'un métallique qu'on faisait, qu'on avait fini par appeler le métal Cadwallon. Simplement parce que c'est Vincent, par hasard, en mélangeant des peintures, il était tombé là-dessus et il s'est dit, tiens, putain, c'est cool. C'est écrit comme ça, Cadwallon. Cadwa, c'est un N à la fin. Ah oui, merde. Et en fait, c'était juste ce mélange-là. Une fois qu'il y avait le mélange, c'est déglaci de snake, parce que vu comment ça pète au niveau pigment, c'était nickel. Alors, on prenait du vermine brown à la fin, mais j'en ai plus alors. Moi, j'utilise ça là, du bloodstone, qui est pas mal. Après, c'était rééclaircir jusqu'à l'azur pur, rajouter un peu de gris ciel directement, et après du blanc. Et on avait le métal Cadwallon. Merde, j'ai C'était la faim. magique. Attends. On voit même plus le nom, le truc gris ciel, il est trop vieux le pot. Donc c'est plus ou moins le truc, et ça c'est une super idée de Vincent. Donc voilà, c'était la petite aparté sur le azur, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Parce que grâce à lui, associé avec la bonne couleur, ça donne C'est vrai que un Snakebit, il n'y en super a mélange. plus. Le Snakebit, il est comme ça maintenant. C'est un shade. Ben, je dis en fait maintenant, tu as peut-être le XV88 de Games qui s'en rapproche, mais il n'est pas pareil encore. Hein. Alors attends, mais je crois que quand tu me l'as proposé, je l'ai trouvé. Et encore une fois, je me demande si dans la peinture Prince Auguste Games, qui copiait la Games, justement, Non, il n'est pas là, la je Games pense. Workshop de l'époque, n'est pas un équivalent. Je ne serais pas étonné en fait. Je l'ai cherché la dernière fois, je crois, quand tu me l'as dit. Donc là, maintenant, je vais foutre des petites touches de bleu azur. Je pense que je vais en mettre un petit peu par endroit dans les creux. En tout cas dans certains. Ça va rajouter un petit peu de couleur dedans. Et ça va casser un tout petit peu l'orange qui est peut-être un peu fort. Alors là, c'est attention quand vous faites des associations comme ça, faut être sûr que ça marche. Je sais pas si on voit. Les Prousse Brown, ouais, je sais pas, Rémi, peut-être, mais je t'avoue que je la connais pas. La gamme, donc je me demande en fait si c'est ça ou pas, mais je pense qu'il doit y avoir un truc. Bon, en fait, je me dis que dans les creux, c'est pas la meilleure option. J'ai plutôt venir en caser là où j'ai foutu du vert. Voilà. Comme ça va venir s'additionner au vert et ça me Les créera. Prousse Brown? Ok. Oui, Rémi dit ça, mais c'est vrai que je sais pas parce que je le connais vraiment pas. Je connais pas le nom de la gamme du tout. Pour le foncé ou Pour le snake en fait. pour le snake, il y a une couleur, c'est pustule, je sais pas quoi, putride, je sais pas quoi, dans chez Games, qui ressemble. Chez Game Color, hein. C'est putride, je sais pas trop quoi. C'est le seul qui s'arpente, mais je l'ai pas pris, en fait, ça donne pas la même Ouais, je mélange. t'avoue que je n'en sais rien. Voilà, donc là Non, c'est c'est tout juste trop rien comme un ça. petit peu de bleu complémentaire, genre vraiment pas beaucoup. Ça va permettre de créer. Bon là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un peu fait ça à l'improviste parce que je savais pas trop quoi faire. Et puis c'était pour changer un peu, mais justement ça montre que Scrofulous pour Plaque Brown, dit Rémi. D'accord. Ah, d'ailleurs, il faudrait que je m'en rachète de cette peinture parce qu'elle est pas mal en fait. J'aime bien, hein, j'utilise pas mal le chair elfique et quelques brins.
que j'ai. Il y a vraiment des bonnes teintes dans cette gamme. Donc, je disais, ici, l'idée, c'est un peu d'improviser le truc pour montrer un peu que, bah, avec quelques associations de couleurs, on peut obtenir un truc sympa. Parce que c'était un peu ça aussi, hein, les Sinewall, au final. Hein, je me suis retrouvé à devoir pondre un schéma, des couleurs pour que ça crée en fait la personnalité de l'armée. Voilà, là je pense que je vais même pas faire plus. Le peu que j'ai fait se suffit et je vais revenir avec la couleur de base. Comme ça, je vais recréer les volumes et je vais gommer tout ce qui ne va pas. Voilà. Par superposition, par transparence. Ça va donc encore accentuer le côté justement pastel de la couleur. Regardez toute la subtilité qu'il faut sans que ça vienne trop agresser le reste. Comme je disais ce matin là, Stéphane, c'était un peu l'esprit en peignant les Sinewall, en regardant des photos de trucs spatiaux. Je regardais tout ce qui était un peu les nébuleuses et compagnie. Il y avait des superbes images et toutes ces couleurs qui s'associent entre elles. J'étais fasciné. Et c'est un peu ce qui m'a conduit en fait à venir. Vers ce genre de traitement pour les Sinewall. Ça leur donnait un côté assez intéressant. Après, c'était une extrapolation de la chose, hein. C'était pas possible de refaire exactement ces trucs-là, mais. Ça va effacer un petit peu en dessous. Ça va permettre de refaire un truc propre. Parce que ce qui est compliqué après, c'est toutes ces histoires de tâches qu'on peut avoir. Donc là, la peinture, je la tire, hein, vers les zones de lumière ou vers ce qui sera éclairci après. Ou quelques arêtes. Et j'insiste encore sur le fait que ben, c'est de la construction, hein, petit à petit. C'est du passage de couches translucides. Ouh, de la horde! On va venir petit à petit créer des choses. Ben c'est cool, on a gagné un degré 2. Dans Parce que j'ai ouvert tout en fait. Moi j'ai. le four. Non, on a diminué d'un degré 2. Ah. On n'a pas augmenté. On n'est plus qu'à 24. 24,7, on était à 25,9 tout à l'heure. Parce que j'ai ouvert pour faire passer le frais de la deuxième pièce du fond. Donc là, ça vient progressivement gommer tout ça, Là, on voit bien, là c'est cool. mais ça conserve. C'est bien, la couleur de ton pagne il passe bien, par contre ton doigt il n'est pas de la bonne couleur. C'est Il est pas rouge, mais grave. par contre le pagne, tu vois, c'est un peu le problème que j'ai moi quand je fais des lives et que je veux montrer des trucs, je suis tout le temps en train de Façon, faire des. l'image, c'est toujours compliqué, hein. Bah, c'est sûr qu'en plus on peint pas pour un visuel internet donc. Moi, je t'avoue que c'est un truc, j'ai beaucoup de mal. Ouais, c'est pareil, moi aussi. Bon, c'est bon, moi ça a collé là. Le green stuff il est bon, je vais y retourner. Voilà.
Coupé mon bras. Une photo, ça ou pas? Ça commence à Salut! prendre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je passe pour quelle heure? Ça commence à être plus propre. Il ah, y a des gens qui commencent à se demander à quelle heure il vient à 16h27. Petit Vincent qui va venir. Cool. On sera 5 pour jouer, impeccable! On pourra jouer les 5 personnages de Blackstone Fortress. C'est marrant qu'il n'y a pas, Rackham Fan, non? Il est peut-être pas là, il est peut-être en Ah, vacances. Bertrand qui loupe un tuto de Martin Granda, c'est dur, hein? Il est peut-être en vacances. Non, mais même il est tout le temps en train de regarder. J'espère qu'il n'est pas arrivé de la merde. Mais... Dès que je peux rendre du Rackham, c'est le premier être sur le chat, sur la ligne. Et en plus, c'est même pas moi, c'est toi. Allez. Là, je réinsiste un peu, la peinture, je C'est la là qu'il me dilue. faut une photo. Quasiment plus. Juste, c'est l'humidité du pinceau en fait qui va faire le travail pour pas avoir d'épaisseur et être sûr que ça couvre plus. Parce que du coup, ce qui était en dessous là, ce qui était pas super clean, bah là en fait, c'est tout de suite en train de devenir un peu plus subtil. Une fois que je Comme vais ça pour la fin du mois. claquer l'ivoire, ça va le faire. Là, c'est clairement du truc tin-wool comme j'aurais pu le faire à l'époque. Martin, ah, quand des nains, Martin. Ah, Ah. quand des nains. Ben je sais pas, ils sont tous, ils vont finir tous chez Rémi, ça continue. Ah, bah justement. Non, je rigole, mais les autres, je les vendrai pas. Et puis ceux-là, je les referai. Oh, tu l'as fait. Martin, ah, quand des nains. Oula. Ah, je crois que j'ai mon truc qui se... Non, ça va. Je pars vers 18h. Alors oui, il a tout compris. Okay. Tu dis quand tu veux, il me dit bah 18h. Là, c'est pas mal. Bon, du coup, ici c'est bien. J'ai pas besoin de faire plus avec ça. Et je vais y aller maintenant avec l'ivoire pour faire bien péter les lumières. En me concentrant donc uniquement sur les zones d'éclaircie. Et ça va nous donner un beau petit truc tout léger, tout pastel. Est-ce qu'ils sont cons les gens, je les aime. Alors. Comme ça, on n'a pas une couleur en fait trop forte, trop saturée, qui serait un peu bizarre avec le reste. Et ça se démarque en plus bien du reste, malgré tout.
Donc la peinture, niveau dilution, bah, c'est un peu comme d'habitude, quoi, hein. Au début, je dilue un peu plus. Et puis là, arrivé à certains éclaircies, en fait, je vais clairement y aller avec la peinture brute. Vu qu'elle est suffisamment fine. Hey, c'est moi où il commence à faire chaud ici. Non, il fait un degré de moins que tout à l'heure. Peut-être le PC qui chauffe. Ah oui, ça doit être ça. Il tourne depuis 6 heures. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça c'est quasiment fini. Voilà, et là on a un truc tout en dégradé, tout fin, bien lumineux. Qui va rester donc dans l'esprit de l'armée. Trop cool. Bon, là, je pense que pour le tissu, là, on est quasiment bon. Bon, je crois que dans le fond, je retravaillerai la peau quand même sur cette figurine parce que je pense que je suis allé un peu trop sombre. Ça me plaît pas. Et voilà donc le tissu. Je sais pas si on voit bien, mais les quelques nuances qu'il y a dedans. Voilà, là on a un truc typique Cineworld. Avec quelques touches légères de couleur. Voilà. Bon ben ce que je peux faire maintenant, c'est peut-être attaquer. Je vais peut-être m'attaquer au métallique, tiens, de la lame. Oh oui, le métal de la main. Parce que là j'ai les couleurs en fait quasiment précises de la chose. Excusez-moi, j'ai un message de madame. Demande si t'as pas été kidnappé par. Non, sur la coule douce en Italie. Ouais, c'est ça. Les mecs ont vraiment. Alors. La lame, donc, les Cineworld. Cool, ben si ça marche, Rémi, c'est top. C'est difficile à dire, hein. Moi je sais pas trop. De quoi qu'est-ce qu'il dit, Rémi? Non, il dit que ça fonctionne bien à la caméra. Je sais pas trop si on voit vraiment les petits rajouts en fait légers de verre dedans. Mais voilà, en fait ça va donner un bel équilibre avec le reste. Parce que mine de rien, le reste est assez froid. Ça va venir un peu réchauffer le tout. Et je pense que je l'ai pas fait, mais le grand drapé là, il serait cool en plus comme ça. C'est pratique, hein, se battre en échasse avec un grand drapeau au milieu. C'est le meilleur moyen de te casser la gueule. Mais bon, c'est des elfes, ils doivent être forts.
Ouais, mais de toute façon, tu peux rien leur dire. C'est des êtres de lumière autres. Alors, maintenant, le bleu, le gris bleu métallique de la lame. C'était. Alors, j'ai plus, moi, en fait, la couleur qu'on utilisait avant. Donc, là, je l'ai remplacé, en fait, par le Thunderhawk Blue de Games, en fait, qui est très bien. Qui fera une bonne base, parce qu'en fait, souvent, les bases de métallique, je dis bien souvent, hein, mais pas tout le temps. On utilisait quand même pas mal de games, hein. Le gris, on utilisait le gris Codex. En fait, c'est ça le gris codex. Il y avait un bleu gris, je sais plus si c'était ça, hein, ou peut-être c'était peut-être un Prince Auguste en fait, pour celui-là. Mais je reconnais que je suis plus certain. Après, il y a des tons, c'était du Prince Auguste qu'on utilisait sur les nains. Sauf l'acier qui était fait aussi avec du Games en base. Et des fois il y avait des bronzes qu'on faisait avec du Scorch Brown en base aussi qui fonctionnait pas mal. C'était vraiment des super couleurs ça à l'époque. Ça reste parmi mes préférés. Bon, du coup, on va refaire une petite étape base. Comme d'hab, je vais déjà la diluer un peu plus. Mais bon, en tout cas, les lames Tinwall, c'était souvent fait avec des gris bleus. C'était un peu l'esprit. C'était pareil, pour pas avoir un truc trop gris, trop fade. On voulait qu'il y ait un petit peu plus de couleur dedans. Et puis en plus, là, une fois éclairci, parce que il va y avoir du gris en fait pour désaturer un peu ça. Et donc là, ce qui sera du coup pas mal, c'est que par association, ça va venir bien, là ici en l'occurrence, accompagner les tons orangés du drapé. Du fait d'avoir du bleu autour. Donc la première base, hein, elle est un peu crado, hein, c'est normal. Puis comme je le disais tout à l'heure, là. Le primer, il est un peu hydrophobe. Ce qui fait que la peinture, au départ, elle galère un peu. Mais bon, en insistant un peu, ça fonctionne. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, ça a une drôle d'apparence. Mais dites-vous que c'est pas un problème, ça. Il suffit juste d'insister avec la peinture et ça va complètement couvrir. Tiens, on le voit là à l'extrémité, la peinture s'est légèrement barrée. Elle a fui vers des creux. Ah, je vais y aller avec une peinture moins diluée. Paf. Moi, j'ai contré ça en mettant pas de peinture du lait, mais je fais un mélange en fait. Comme ça, toi, Par contre, là, je t'as vais. ton glacis de base là ou t'as ton truc par transparence. Moi, je fais tout de suite le mélange, comme ça, ça tient beaucoup mieux. Ah ouais. Je suis obligé de bien laisser sécher à chaque fois parce que. Oui, en chauffant, ouais, bah ouais. Forcément, hein. La peinture, tout de suite, elle va. Ah oui, tu chauffes, hein. Tu chauffes, poum, tu mets, ça Ouais, tient c'est instantanément. vrai. Et en plus, c'est la première couche que tu mets, donc c'est la dessus de Ouais, la ouais, ouais. peinture. Et ça sèche, c'est qui t'a dit en chauffant? Le gauche. Ok, bah, en chauffant, ça tient direct. Bah, moi, c'est ce que j'ai réussi à contrer pour éviter d'attendre trop longtemps et que ça adhère. En fait, tu chauffes, tu poses, pan! Surtout quand tu mets une base, pan! Ça sèche Ouais. instantanément. Et après, quand tu as posé, tu sèches et ça passe. C'est un peu la façon que j'ai réussi à contrer pour avoir des effets. Quand t'as une primeur trop lisse en fait. Oh, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Je vais repasser maintenant une seconde couche et je pense que je vais en faire une dernière pour m'assurer que ce soit bien opaque derrière.
Ouais, moi j'ai trouvé des astuces pour aller plus vite, hein, sinon. Donc il y en a beaucoup qui me demandent ta sous-couche, je comprends pas, ça tient pas la peinture. Ben, je leur dis, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais un gros wash de noir marron pour avoir les volumes. Et puis ça va pas marcher. Parce que comme c'est super lisse et on a l'impression que tu fais ça sur du verre, c'est pareil. Ça Ouais, fonctionne pas. voilà, Donc ouais. je leur ai dit, bah, vous chauffez votre figurine, vous mettez dessus, vous verrez que ça marche. Et là, oh oui, trop bien! Comme moi, la sous-couche, la figurine, elle arrive sous l'établi là. Je la chauffe pour la sécher, elle est chaude et je mets tout de suite ma base. Pim! Et donc, bah, ça va plus vite, quoi. Parce que c'est sûr qu'au début, quand je l'ai dit, ah putain, c'est lisse, c'est bien. Oh, par contre, ça tombe pas bien. Voilà. Là, ça devrait être. C'est trop cool le custom de la résine, putain, c'est trop bien. C'est pas du métal, hein, putain. Ça devrait être pas mal. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pas ombrer, parce que j'ai une base en fait qui au final reste un peu plus sombre quand même. Et en fait, je ferai des ombrages à la fin, via des glacis. Enfin, à la fin. Pas vraiment à la fin, fin, mais je vais les faire après les éclaircies, là, cette fois-ci. Parce qu'habituellement, j'aurais plutôt tendance à faire les ombres du non métallique, puis à faire la lumière. Mais là, cette fois-ci, je vais pas faire ça. Parce qu'avec cette couleur, justement, c'est pas comme ça que je procédais. C'était en éclaircissant d'abord, puisque c'est des glacis à la fin qui donnait en fait la teinte particulière des lames. Donc c'était le Thunder Oak là, enfin donc un gris bleu. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas obligatoirement celui-ci hein, que j'éclaircissais avec un gris ciel. Bah tu vois, moi je prends gris bleu foncé. Ouais. Oui bah oui c'est bien ça. Ça fonctionne vachement Parce bien. que du coup le gris ciel il va venir un petit peu Ouais. désaturer le tout. Tu sais que le gris bleu foncé, c'est le mélange entre le gris foncé. Attends, c'est là. C'est le mélange entre le gris. Donc là, j'en ai rajouté un peu dedans. Alors, Le gris bleu foncé, c'est ce mélange de celui-là. Là, le truc, ça va être de trouver les bonnes lumières. Et ben, en fait, ça va être assez simple. On a déjà la tranche ici qui va bien prendre la lumière. Ce que je vais faire, c'est que sur le tranchant, je vais aller ici. Parce que, en fait, d'avoir ce truc-là bien mis en avant grâce à l'éclaircie, ça va permettre de bien redessiner la courbe de la lame. Je vais en faire un là aussi, vers la base, toujours sur le tranchant. Comme ça, en fait, ça va me permettre de faire aussi une zone éclaircie au milieu ici sur le plat. Comme ça fera un peu plus de choses qui bougent sur la lame. Parce que après le NMM Arakam, il est vraiment old school. Hein. On n'est plus du tout, enfin vraiment loin de ce qui se fait maintenant. Tellement mieux. C'était un truc assez. Bon, de toute façon, on était inspiré vachement par les peintures de Paolo Parente quand ils faisaient les mises en couleur des concepts des figurines et puis Paul Bonheur bien Paul Bonheur, sûr. hein, qui fait des lames, pouah, il se Paul béton, Bonheur c'était une inspiration évidente. en permanence. Donc en fait on était vachement inspiré par tout ça. C'est pour ça qu'on avait un peu aussi cet aspect un peu. Pardon, je m'échappe un peu de. Cet aspect un peu gris, très gris pierre, enfin pas gris pierre, mais. C'est-à-dire que c'était pas un métal comme on peut le voir aujourd'hui, là où il y a des effets très graphiques, vachement accentués. C'était assez doux. D'ailleurs, il va falloir que j'en fasse un tuto parce qu'on m'en a demandé encore sur les lames. Donc là, du coup, bah, le mélange, je vais le passer plusieurs fois. Le tirer toujours
vers les mêmes zones. Et ce qu'il faut aussi réussir à faire, c'est dessiner. Faut que tout soit compréhensible au niveau du volume. Donc il y a tout ce truc sur le tranchant là, tout ce qui sépare le plat du tranchant, ça fait comme une ligne, une fine ligne en fait. Et ça, ben j'hésite pas à le redessiner avec la pointe du pinceau. Parce que sinon, si on le fait pas, ça va faire des zones pas clairement définies. Là, c'est pareil, toutes les arêtes en fait de l'épée, tout ce qui fait le contour, je le reprends systématiquement avec les éclaircies, parce que en fait, c'est encore une fois, ça va la délimiter. Et ça, c'est vachement important. Encore une fois, pour la lecture de l'objet, hein, j'entends. C'est-à-dire que quand on le regarde, il faut qu'on pige tout de suite. Oups. Je m'éloigne un peu. C'est pas facile hein, de peindre avec une caméra. Carrément. Putain. Ouais, t'as vu, hein? C'est du score, Les pauvres, j'arrête pas de bouger n'importe comment, ils doivent être fous. hein? Non, mais dès qu'ils ont cap. En fait, s'ils écoutent et qu'ils captent, c'est ça beaucoup. C'est. Le caméra marche beaucoup comme ça. En fait, dès qu'ils ont compris, Donc c'est. je tire toujours la peinture vers la lumière, systématiquement. Et là, vous voyez, hein, je suis toujours avec le même mélange. Et ben, je fais encore, encore, encore des passages, des passages. Et ce, avec un seul mélange. Et après, je vais faire pareil avec les suivants. C'est juste que, au début, en plus, il faut que la peinture démarque un peu plus, quoi. Et c'est toujours aux premières étapes de mélange que ça a le plus de mal. Et après, c'est plus facile. Et puis après, ben, ça va mieux parce qu'on réduit les zones de peinture. On a une couleur qui devient de plus en plus claire, de plus en plus pâle. Mais là, en fait, c'est toute une étape de construction qui est en train de se faire. C'est quoi l'illustration là? Bon. Donc à chaque fois, ben, j'insiste. Jusqu'à temps que les passages commencent à former une différence vachement plus marquée, mais tout en essayant de conserver cet aspect un peu dégradé. Qui seront évidemment recorrigés via des glacis. C'est toujours le truc, hein. Enfin, moi, c'est la base de la peinture que je fais de toute façon, c'est glacis, 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 glacis. Tout le temps. C'est comme ça que j'aime bien faire, après, encore une fois, hein, C'est c'est pour pas ça que tu là. mets un temps infini. Oui, c'est pour ça que c'est long. Et c'est pour ça Parce que d'ailleurs le qu'on te glacis, commande c'est de la long. peinture. Hein? C'est pour ça qu'on te commande de la peinture, parce que le rendu, il est trop fou. Ben, j'estime qu'il est suffisamment propre. C'est ce qui compte le plus pour moi. Je veux que ce soit propre et que ça pop. Pas de tricherie. Tu cibles quelqu'un quand tu dis Non, ça, non, enfin. je cible personne. Alors on voit un petit peu là déjà, hein, et pourtant je suis toujours avec le même mélange. Parce que là, en fait, à la caméra, ça force un peu plus que ce que c'est dans la réalité, là. Mais bon, au moins, on voit bien les zones sur lesquelles je. Et déjà là, c'est rigolo, hein, ça donne un petit effet sympa, pourtant, c'est tout con. Mais hein. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de toujours bien insister sur les passages. Quand on veut faire un beau dégradé, quoi. Faut prendre son temps. Faut tirer la peinture, je ne fais que la pousser vers la zone de lumière. Parce que si vous ne faites pas ce geste en fait de bien pousser la peinture là où elle va finir en séchant, Il y a des ben ça taches. va créer des irrégularités, ça va créer des taches. Et ce sera pas très joli. Donc là, c'est systématiquement tiré vers la zone de lumière.
Et le pigment, au fur et à mesure que je fais des passages, ben, il va se déposer là. Alors là, la particularité du truc qui est au milieu, c'est que j'ai d'un côté une zone sombre, et l'autre côté encore une zone sombre. Donc ce que je fais, c'est que je sépare un peu en deux. C'est-à-dire que je tire vers le milieu en fait de ce truc, et puis je vais faire pareil dans l'autre sens. Comme ça, il y a tout qui se rejoint. Et ça va me permettre d'avoir un truc plus sympa. Parce que ça pourrait être un peu galère aussi. Donc là, maintenant, je peux passer à l'étape suivante. Je vais rajouter du gris. Là, j'ai mon bleu en fait qui est un peu trop séché. Voilà. Puis c'est pareil, il n'y a pas forcément besoin de toujours faire trop de mélange. Une fois que la peinture est bien diluée, c'est le geste en fait qui va faire tout avec la peinture. Ah oui, c'est pour ça. Pour ça que je passe mon temps en fait à tirer la peinture tout le temps. Voilà, donc faut faire attention hein, de pas d'éviter le plus possible en fait de d'avoir des strates dans le dégradé. Ce que j'appelle les strates, c'est d'avoir une démarcation beaucoup trop forte entre la couleur précédente et la suivante. Ah oui, les peintures qu'on appelle, comment ça s'appelle, code barre. Ouais, c'est ça. Donc je reviens toujours dessiner les délimitations de la lame. Avec la pointe, je fais attention de bien dessiner ça. Je suis obligé à chaque fois de changer un peu de position pour être sûr que, en fonction de chaque face, j'ai un geste en fait qui soit plus facile pour effectuer justement le fait de tirer la peinture. Donc c'est pour ça, hein, ça c'est pareil, faut pas hésiter régulièrement à se repositionner en fait pour avoir un geste optimum. Quand en gros on fait un dégradé. Pas l'heure du goûter là? Quoi, les chocs à pic? Mais c'est ça, ça pique toi. Mais là, ah, les gars, il y a qu'ici que vous allez entendre des conneries comme ça. C'est trop bien. Les chocs à pique. Alors là, ce qui est bien, c'est que la couleur étant un peu plus claire sur un truc un peu plus clair, ben, j'ai pas besoin d'insister autant au final au niveau des passages. Et je réduis systématiquement la zone aussi. C'est ce qui va contribuer à créer le dégradé. Ça, je le répète hein, souvent. C'est tirer la peinture, réduire la zone. On demande beaucoup quel pourcentage de zone on doit faire. Ah, Moi ça c'est donne pas évident ça, c'est un. ah bah c'est oui en fait sur une Hein. grande C'est en lame fonction du volume quoi. ouais, c'est ça, mais c'est souvent la moitié est éclaircie, cette moitié là tu prends les deux tiers, puis après un tiers, puis rien, puis point blanc, et en fait tu glaces tout. J'étais obligé de faire ça parce que les gens me demandaient trop à chaque fois, c'était dur de leur expliquer. Voilà, j'ai rajouté du gris. Bon, en fait, je suis quasiment à la couleur pure. Hein. Ça suffira amplement. Cet après-midi, je sais s'il y a 10 personnes, c'est bien, comment il fait beau. Voilà. J'ai fait un petit bug, mais c'est pas grave. Avec la Prince Auguste, ça s'efface. Eh ouais, c'est ça qui est bien. Et c'est quand même un vrai confort. Comme on dit, le coup du pouce, hop, t'enlèves avec le pouce. Ouais, moi des fois je fais ça. Hein. Alors moi je le fais plein de fois, moi.
le fais plein de fois. La green stuff, elle est pas bien séchée, ça me saoule, je suis obligé de la refaire. Oups, pardon. Je me suis un peu trop éloigné. Ah, de gauche, tu reprends de la sous-couche Gems derrière. Quoi? Il me dit que ça, c'était pénible, alors, comme c'est pas pénible. Ah. C'est vrai que pour certains, ça doit être chiant. Hein. Ouais, et déjà là, ça commence à créer un effet sympa. Alors que j'ai juste dégradé petit à petit la couleur de base avec le gris ciel. Voilà, faire attention à sa dilution, faire attention aux gestes qu'on effectue avec la peinture pour bien la contrôler. Et puis surtout, bien insister sur le nombre de couches qu'il faut faire pour avoir en fait un rendu optimum au niveau de la au niveau de l'intensité du pigment. Tout le monde s'est endormi là. C'est vrai? Oh putain! C'est l'heure de la sieste? Bah, il est 17h en fait. Ou c'est l'heure de l'apéro? Non, ils vont arriver d'un seul coup entre 18 et 20. C'est dommage, c'est l'heure de la pause. Ouais, il y en a pas mal qui sont partis, des habitués. Enfin, de toute façon, ce sera en rediffusion. Tant! Il y en a trois qui viennent d'arriver. Hein. Parce qu'en fait, les gens, ils vont allumer leur téléphone portable. Mm-hmm. Et ils sont en. Tu sais, ils sont en tramway ou en machin, donc ils regardent. C'est l'heure du goûter. Bah tu vois, c'est là ce que je disais à Rémi. Tu m'étonnes. Bah lui, il va aller donner goûter aux gamins, lui, normalement. C'est pour ça qu'ils disparaissent. Du coup, on a quasiment beaucoup de papas dans le chat. Hein. Et ouais. Et j'ai une grande dose de papa célibataire aussi. Toi, tu me remets là, le truc d'avant. C'est à chaque fois que tu regardes. Là, t'appuies là au cas où. Ah, merci. Quel bordel la palette, là. Ça me fait trop kiffer une peinture clean et la palette elle est bordée. ça me fait trop rigoler avec les gars qui disent. C'est ça les gars qui disent eh, faut une palette nickel, propre. Pour quoi faire? Propre, blanche, un atelier de ouf, clean. Plus c'est le bordel, plus c'est la fête. C'est qui va l'arriver là, ce clean? Et moi, je teste en direct. Oh putain, tu testes en direct? Ah, ça c'est trop cool ça. Cool. J'en ferai ça hein, aussi, hein, si vous voulez, on en fera. Pour les abonnés. Parce que sinon, si je le fais pas pour les abonnés, je peux pas répondre à tout le monde en même temps. Voilà, là je suis au gris pur. Raven Mini, un Kinder Pingouin, hop. Ah non, pas Kinder là. Je vais passer aux gamins, attends, les Kinder Pingouin, ils vont devenir. Ils vont rouler après. C'est pas bon ça, les Kinder Pingouin. Bon bah, moi je me prends une madeleine. Hein. C'est un ouf ce mec. Eh, un petit cookie gros? Un quoi? Un petit cookie bio au chocolat? Ah! Ah! Moi je dis que. Ah! Tu t'es pris ton petit jus d'orange? Ouais, ouais. Tiens, regarde. Moi je dis que toi tu sais ce qu'on sait. Ah, moi je sais ce qu'on sait, tu sais que je sais. T'inquiète, Tintin. Tiens, deux pour la peine. Si merde. Ils sont super bons. Putain, qui est-ce qu'on est bien accueilli chez Army? Pourquoi on peut pas m'inviter plus souvent comme ça? Rémi a fait une brioche grecque. Miam, ça doit être bon ça. Ouah, qui a fait ça? Rémi. Oh, mais lui cuisine aussi. Mais comment on peut pas. Ah, et pour les mots, hein, il faut. Hein. Putain, mais il est trop bon ce gars-là. Moi, brioche grecque. Rémi. Moi, je connais que grec, moi. T'es bon à marier, Rémi, hein, je pense. Hein. Ouais, bon, je pense que c'est déjà fait. Hein. Lui, il peint, il scute, s'occupe des mômes, il fait à bouffer. Tranquille, la vie. Je suis sûr qu'il fait le ménage. Ah, ouais, c'est beau. Voilà, donc là j'insiste. Ben moi je fais une margarita. Ouais, ok. Pas la même chose, hein.
Il est pas là, Rikiki, C'est il beau, Rémi, c'est beau. 19 ans quand même déjà, la vache. C'est incroyable. Oh, c'est beaucoup trop. Non, 19 ans! Et Ah, ouais. mais ouais, ça fait. Ça fait très très jeune, ça! C'est beau, c'est beau. Ouais, non, c'est bien, hein. Moi, j'éteins la lumière, j'ai plus besoin. Vu que le soleil il est en plein. Alors là, je fais des trucs un peu plus précis avec le gris ciel pour bien redessiner. Attends, hop! On voit rien là. Voilà. Voilà. Je redessine donc tous les petits. En fait, c'est tout ce qui correspond aux arêtes. Pour qu'on puisse bien comprendre tout le volume, toute la forme sur l'épée. Et j'insiste, je tire bien en fait le gris ciel. Alors, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est venu complètement désaturer la couleur de base. Et là, par exemple, je vois que sur la lame ici, il faut que j'insiste un peu au niveau des passages. Alors là, t'as fait. Pourquoi ce reflet blanc ici de ta lame? Pour contraster avec le visage? Alors en fait, je suis parti du principe que, tout bêtement, il n'y a pas vraiment de logique, hein. C'est juste que moi, mon truc de base, quand je peins les lames, j'aime bien que le bout du tranchant, tu vois, soit Blanc. bien éclairci. Ouais. Parce que, en fait, comme ça, on voit bien la courbe. Et comme ça permet de bien dessiner en fait l'ensemble de la lame. Et là, je me suis dit, du coup, bah, la lame est assez longue. Donc, je vais pas en fait faire la moitié comme ça éclaircie et la moitié la sombre. À la place, bah, ici, je vais remettre de la lumière. C'est ça des fois que je capte Et pas du sur coup, certaines vu que j'ai mis de la longueurs de lame. lumière là, donc il y a de l'ombre là, bah, vu que tu as de l'ombre ici, ici, ça va être inversé. Tu vois, tu vas avoir là où c'est clair du sombre. Et donc, bah, je fais exactement la même chose ici. Et effectivement, ce qui est pas mal, c'est que le clair qui est là, On fait sortir le hop, visage. il va guider vers le visage aussi. Oui, Tu vois? c'est ce que j'avais compris, je crois que c'était ça. C'est-à-dire qu'en plus les cheveux, s'ils sont clairs Voilà. avec le bleu, ça Voilà. fonctionne bien. Tu peux faire des jolis cheveux jaunes là, ça marchera bien avec le bleu. Moi, je les ferais pas jaunes. Les Sinewall, ils étaient un peu. Blanc. Ils avaient des cheveux un peu colorés pastel. Ou noirs. Mais là, je vais pas les faire Ah, noirs. ça fait ressortir encore plus la main. Ouais, bah oui. Pas mal. Ouais, moi c'est un peu le problème que j'ai sur certaines lames comme ça, parce que moi je fais tout le dégradé et après je mets 15 milliards de couleurs. Bon, mais après, ça c'est ma façon de faire les lames. Bon, je suis un peu trop. Bah là pour le coup c'est un. Je suis un peu trop, peut-être mine de rien, mais je fais Ouais, c'est trop de ça en lames. fait. Mais quand je fais des lames comme ça, je fais pas Là c'est un ce. dégradé plutôt basique. Je fais pas On a juste bien poussé. ce demi-code barre là. Je le fais pas en fait, j'y arrive pas. Bah en fait, je pourrais le faire, mais j'arrive pas à savoir quand je dois le faire. Et là, sur la figurine, je le comprends là, pourquoi il est comme ça. Bah en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça donne, tu vois, du jeu aussi. Ça va donner du jeu sur la lame, c'est sympa. Faut que je regarde ton coloration de ta lame. Attends, 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 parce que, en fait. Hop là. Faut que je la regarde. Ah, oh, elle est plus claire que ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça pète là. Regarde, le problème avec cette teinte-là, regarde. T'as perdu tout le vert de la crêpe. Oui, effectivement, on le voit plus le vert dedans. Alors, là, je vais reprendre juste, comme je disais, les arêtes avec la pointe, avec une peinture suffisamment diluée, mais pas trop, pour être sûr que j'ai pas un truc qui déborde. Et c'est vraiment juste la pointe, hein, qui vient. Quand on fait un truc comme ça, ce qui compte, c'est d'arriver à. Juste en deux couleurs, non, t'as fait? Pour l'instant, oui. Et après, je vais venir Bleu marin tout glacé. enrichir via des glacis. Et c'était la couleur, quasiment la même couleur que ce qu'on utilisait sur les Sinois. Ok. C'était pas le même gris bleu, quoi, mais c'est pas très important ça.
que je dois plus en avoir à la maison. Je crois que c'était du principe. Oh, regarde, toutes les figurines, quand tu le regardes à l'inverse, un visage, Ah bah bien c'est sûr, bien sûr. horrible. Évidemment, vu que Les c'est... gens qui disent, ah bah moi je parle dessous, c'est bien. Bah, vous voulez leur dire que c'est faux. C'est pas possible, c'est pas peint comme ça. Voilà, là on devrait être pas mal. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là avec le glissier. Là. Je vais insister un petit peu plus ici pour qu'il soit un peu plus fort. Je vais revenir là. Et ça devrait le faire. Voilà, donc là, c'est le début de la lame. Tu dis aux gens, c'est le début de la lame pour eux, ça a été Non, mais fini tout comme toi. après, il faut juste une petite étape pour agrémenter le tout. Et en vrai, à la fin, il faut finaliser, chose que je ne ferai pas maintenant. Parce qu'à chaque fois que je fais des glacis, je reviens derrière avec... Là, je reviendrai par exemple avec le gris-ciel, pour réinsister avec le gris-ciel, pour qu'il regagne en intensité. Et je finirai au blanc. Est-ce que là, dans ton bleu, tu vas mettre du marron Royal Navy qu'on voit de temps en temps dans les Non, lames non, racines? parce que les Sinewall, c'était pas ça. Mais Ok. justement, je vais montrer, parce que là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le Sinewall. Donc, je commence d'abord avec Bleu marine bleu foncé. marine foncé. Qu'est-ce que j'en utilise de celui-là, putain? Couleur magique, chez Rackham, vraiment, celle-là, elle est dans le top 5. Je crois qu'on en foutait partout. Bah, gris-pierre, bleu marine foncé, gris-ciel. 125 glacis pour finir. Ouais, non, ça va, Rémi, t'inquiète. Pour le temps, c'est trop petit. C'est trop petit, ouais. Par contre, sur les Wolfen, oui. Ah, putain. Les lames de Wolfen, les peaux de Wolfen, il y en a des glacis, ça m'ira. Hop là, c'est le festival des couleurs. Regarde, il y a tous les. Là, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 habitués qui sont pas là. Je les vois à la Mais il fait tête. beau là. Ah, bah oui, c'est normal. C'est pour ça qu'on a commencé le bonheur. Donc là, c'est pour ça que j'ai aussi. Là, on les voit pas vraiment à la caméra, mais que j'ai deux pots de peinture. La raison, c'est que. Alors, je sais pas si je peux le montrer sous celle-là. Je vais montrer un peu l'état de la flotte. Voilà, là c'est là-dedans en fait où je rince tout le temps mon pinceau, par exemple. Il y a quand même pas mal de peintures avec des pigments relativement clairs. Bah, il y a tous les peintures de tout à l'heure. Et là j'en ai un deuxième comme ça. Il est nickel. Donc pourquoi? Ben, c'est là-dedans en fait que je viens prendre la flotte pour faire mes glacis. Parce que si je la prends avec ça, Ça va mélanger. je vais avoir tous les petits pigments clairs qui vont venir m'emmerder. Donc c'est pour ça que j'ai toujours deux pots. Et trois poses si tu fais du métal. Bah en fait pour le métallique je fais pareil, j'ai deux pots pour le métallique. Et j'ai des pinceaux pour le métallique, et j'ai une palette pour le métallique, et j'ai des chiffons pour le métallique. Je sépare toujours en double pour la peinture Ouais, métallique, je fais pareil, moi. systématiquement. Ben, je fais pareil, oui, non, quoi. Souvent, je fais Donc là comme l'éno ça, métallique je avant et le prends une métallique à eau la fin. propre pour caser mon glacis. Ben, vu que c'est par transparence et que c'est sur quelque chose de clair. Voilà. Et donc là, j'ai pris mon bleu marine foncé. Et je vais commencer à faire des glacis. Alors, faut faire gaffe, hein, faut bien, bien, encore une fois, les diriger, les contrôler. Donc, je vais les pousser dans l'ombre en partant des zones de lumière. Est-ce que c'est clair? Je pousse à partir de la zone de lumière, je mange un peu dedans pour que justement ça vienne colorer un petit peu. Les pigments clairs. Coller ça là-bas. Parce qu'encore une fois, le fait de venir manger un petit peu dans une zone, ça va permettre de mieux la fondre. Ah, cool. Et après, je vais plus insister encore avec la peinture. Je vais même par endroit y aller C'est avec la quoi? C'est du peinture. bleu marine que tu fais là? C'est du bleu marine foncé, ouais. Ah, je le voyais quasiment pas. Et des endroits, je le prends carrément pas dilué juste pour insister dans l'ombre. D'où pourquoi la palette sèche est bien pour ça. Ah oui, elle est merveilleuse, bah, surtout pour les glacis. Hein. Ah oui, je trouve qu'elle est mieux que la palette humide. Hein. Mais bon, après, encore une fois, c'est une histoire d'habitude. Hein. Ouais. Moi, je préfère travailler avec ça, je suis habitué depuis longtemps. Et ça. Enfin, moi, c'est juste que la palette humide, ça correspond pas du tout à ce que je fais en peinture. À la méthode. Compris ça. Ce que je leur dis aux gens, c'est bien, mais s'ils veulent le même rendu que nous on fait, bah, c'est une palette sèche, hein, c'est pas une palette Ouais, avec humide. la palette humide, c'est pas possible.
Après, on n'a rien contre la palette humide, mais ça donne un autre Non, c'est aspect. juste que ça marche pas avec ça. Ça marche pas avec ça. Mais moi, j'ai une palette encore plus, j'ai une palette silicone. Moi, je vais encore plus loin dans la délire. À quand la palette chaude? Ouais, bah ça, c'est quand je peins sur ma meuf. Avec mon pinceau. Ouh, ça va. Donc là, c'est des petits passages. J'insiste un peu plus dans les ombres. Pour que, en fait, on ait une démarcation qui devienne un peu plus marquée. Oui, super. Une démarcation un peu plus forte. ça me plaît pas. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je crois rien de moi qui parle. Oui, parce qu'une démarcation un peu plus marquée, comment dire? C'est quand je fais mes tutos. Et nous voilà sur une prochaine partie de l'appart. Tu fais part. C'est rigolo. Ça là, là, ma route. Parce que ça marche bien, ça, dans le non-métallique, d'avoir des contrastes assez forts, en fait. Il faut d'ailleurs. Hein, ça va démarquer l'élément des autres. Bah, il y en a qui l'ont compris, hein, parce qu'ils mettent noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Bien sûr. Sur Donc là, je sur vais la faire rame, ils oublient de colorer. Ça. Ah, j'ai fait du non l'autre métallique. Face. Et là, on n'est que sur deux ou trois couleurs. Alors imaginez quand Là, vous il y en a êtes, trois. quand vous êtes trois, Pour l'instant. quand vous avez des lames façon Paul Bonheur où il y a cinq couleurs dans la même lame de 2 mm. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Hein, je vous encourage Ah, mais j'adore ça. À regarder les illustrations. C'est rigolo de voir les couleurs qu'on peut trouver, justement, dans du non métallique. C'est très intéressant. Et ça vous montre que ben, ce qui est génial, en fait, avec. Avec cette technique-là, c'est qu'on peut justement agrémenter ces éléments de tout ce qu'on veut. Même si il faut prendre en compte qu'il faut le faire par rapport à ce qui est autour Exactement. sur la figurine. Pour pas partir en vrille et que ça reste équilibré et qu'on n'ait pas. Ah, tu peux en faire des plus minuscules encore. Ah, c'est clair. Ça, quand je l'ai vu, je dis, oh là là, le non métallique sur un truc qui fait 2 mm de large. Parce que avoir plein de couleurs, c'est pas un problème. Il faut juste être sûr Faut que bien ça fonctionne, en équilibrer, fait. hein. Ouais, faut bien équilibrer surtout. Et C'est puis, compliqué, hein. une couleur, elle peut venir appuyer une autre aussi, indirectement. C'est comme ça que je me suis énormément concentré depuis quelques années sur les mines nord, parce que c'est très compliqué à comprendre le Ah, c'est façonnement. clair. Et dès que tu as capté ça, tout le reste devient beaucoup plus facile en fait. Comme vous savez, de temps en temps, je fais des figurines Bah, en d'exercice fait, ce qui était rigolo. qui sont super compliquées exprès. Ce qui était rigolo dans la façon de travailler de Vincent quand il s'attaquait à ça, c'est qu'en fait il avait une douzaine de peintures en face de lui, les mêmes. Il faisait ses petites crottins de peinture dans sa palette. Les tutos que je fais. Et puis en fait il travaillait tout, il faisait ses bases en mélangeant dans le frais Ouais, comme je sur toute fais. la figurine. Et puis après il travaillait zone par zone, donc une jambe complète, avec tous les détails qu'il y a dessus. Mais ce qui était marrant, c'est que du coup, il remélangeait ses peintures en les remélangeant avec un autre truc, avec machin. Et puis, il faisait ses trucs. Et puis, du coup, après, une fois qu'il avait entièrement fait la jambe, bah, hop, il faisait une autre. Puis un autre élément, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il les construisait, en fait. Et puis, il équilibrait le tout, au final, hein. C'était très intéressant. Moi, je sais pas faire ça. Moi j'aime bien faire ça, mais pas parler moi, moi je fais toute la figure Moi, entière comme ça. je suis trop protocolaire. C'est pour ça que je kiffe les mines nord, hein. C'est la fête de la couleur. Ah, ils sont géniaux. Bon voilà, du coup, avec le bleu marine foncé, on est bon. J'ai pas besoin de faire plus. Donc ça permet d'avoir en fait un ombrage vachement plus fort, un peu, comme on peut le voir. Mais ça suffit pas. Dans les lames Sinwall, il me manque un ingrédient Oh, c'est quoi? que je vais prendre avec le Snake Oui, Bite. trop cool, la rouille. Parce que ça, c'est pas pour faire de la rouille en fait. En fait, ce qui se passe. C'est que c'est pour ça que j'ai pris le bleu marine foncé. C'est que le snake bite, vachement dilué là en glacis, qui est un petit peu jaune, Oui, ça fait jaune, oui. déposé en fait sur le bleu marine foncé, va donner un aspect un peu verdâtre. C'est ça. Et ça, c'est bonheur. Ce que moi, j'avais pas compris quand je faisais pas des glacis. Et en fait, j'utilisais ça. Et je me trompais en fait. Parce que J'utilisais c'est du des gris olive Sinwall. en fait. Ouais. Et je me trompais. Et en fait, c'est juste le glacis entre le jaune et Parce le que truc. c'est des Sinwall, les Sinwall ils rouillent pas, tu vois. Attends. Et d'ailleurs, C'est fou ou bien?
sur les dires et sur les autres, quand il y a ce vert, et au début, quand je voilà. peignais, je mettais ce gris, mais c'est pas... Et alors, justement, tiens, c'est intéressant, c'est que là, ce que je fais pour la lame, c'est quasiment, en fait, L'armure. L'armure des... Comment il s'appelle? Des drunes. Ah, des drunes. Ouais. Ok. C'est quasiment ça, en fait. Sauf que en plus, on a ajouté un vermine brown dans les creux pour avoir justement le côté un peu plus rouillé. Ah oui, ok. Et voilà, et là, voilà, là c'est la magie, c'est le Magique, spectacle. ça c'est trop trop bien. C'est formidable, c'est... Malheureusement, moi je n'ai pas trouvé cette couleur, donc je fais un mélange un petit peu. C'est la superposition qui va donc donner un aspect un peu verdâtre à la lame. Alors, faut faire gaffe de pas trop en faire. Pour pas que ce soit trop jaune, faut juste que le passage tout léger contribue à verdir un petit peu la zone. Et en fait, c'est ça qui faisait la lame dessin wall. Voilà, là on voit bien, ça a altéré un petit peu le rendu. Donc je me concentre vraiment sur les zones où il y a le bleu foncé, hein. Parce que en fait, sinon sur le reste, ça va faire trop jaune. Vu que c'est très clair. Je dois plus en avoir beaucoup du snake en plus. Hein. Moi, ça se raréfie comme ressource. Ouais, bah, c'est tellement raréfié que je ne trouve pas. Mais qu'est-ce qu'il est bien? Ah ouais, il est cool. Ouais. Ouais, ça vient légèrement verdir du coup. En jaune plus jaune sur bleu. Hein. Ah bah c'est trop bien le niveau. Voilà, là c'est pas mal. Parce que comme je disais tout à l'heure, si je le fais trop, ça va être trop jaune. Donc faut faire attention au dosage. Et voilà. Donc là en fait, on a... Donc après, en temps normal, là, il faudrait que je revienne avec mon gris ciel pour réinsister encore avec le gris ciel pour qu'il soit encore un peu plus intense et repréciser les arêtes ou les endroits où ça a débordé. Et ensuite, du blanc pour faire les éclats de lumière. Parce qu'en gros, quand on faisait du non-métallique chez Rackham, jamais on éclaircissait au blanc. Absolument jamais. Soit on utilisait un gris clair... Un gris bleu clair ou un ivoire. En gros, c'est ça. Et on finissait toujours par du blanc pour faire justement l'éclat. C'était tout le truc. Et c'est là que tu commences à peindre après cette couche de base. C'est ça. C'est Rémi, ça. Non. Non, c'est qui? C'est Dune. Ah oui, avec Dune. Et maintenant, tu peux voilà, commencer à c'était prendre... donc la couche de base que je vous invite à faire. Donc voilà, là déjà, on a un peu tout. Sur le sinwall, en fait, hein, qui a déjà été fait. Au niveau des éléments. Après, c'était des variantes hein, à chaque fois de ce genre de teinte qui était utilisée. Et plus ou moins rose, plus ou moins bleu... Le doré, hein, c'était pas fou. Le doré, en fait, c'était fait avec de l'uniforme japonais. Éclairci à l'ivoire. Et reglaci d'uniforme japonais. Puis derrière, c'était un petit peu de vermine brown dans les ombres, en fait. C'était assez intense. Mais donc, c'est pareil, faire attention au dosage hein, avec cette couleur. J'imagine juste un gars qui débarque en faisant « Ouais, pour un débutant, c'est pas trop mal. T'as juste envie de le défoncer. Oh, » Écoute, j'ai déjà eu un gars, moi, qui vient voir... Je peux te dire, j'en ai rien à, rien à carrer. Hein. Je sais pas si c'est Dune, mais imagine, ouais. Un gars qui est venu me voir, qui m'a dit « Ouais, faut que tu dilues un peu plus ta peinture. » Moi, je suis en passé loin de ce genre de truc. J'en ai un peu rien à cogner de ce que pensait un tel ou un tel. C'est pas mon problème. Ouais, ça, c'est pas... Moi, tout ce qui compte au final, hein, vu que c'est mon job, c'est mon client. Moi, si mon client il est heureux, moi je suis heureux, et puis c'est tout, hein, ça s'arrête là en fait. Je vais pas à chier plus loin, je m'en fous des autres, c'est pas pour eux. Déjà, on fait pas de toute façon, je suis déjà périmé hein, dans ce que je fais, donc
En fait, j'appartiens à une autre époque. Donc après, si les gens ça les intéresse, c'est qu'ils aiment bien ça, c'est tout. Je m'en fous. C'est hypnotisant, bah déjà, si c'est pas trop ennuyeux, tant mieux. Bah après, c'est juste des. C'est. Faut comprendre en gros comment tu utilises tes peintures, comment tu les dilues, comment tu les appliques. Et si déjà tu penses. Parce qu'après, les couleurs, c'est une autre histoire. Hein. C'est encore une autre paire de manches, hein, en vrai. Hein. C'est un mélange entre le feeling, c'est l'équilibre que tu peux donner sur la figurine. C'est ça qui n'est pas évident. Mais dans la peinture style Rackham, en fait, ce qui était important, c'était d'avoir des teintes assez. Enfin, pas trop flash. Et le tout agrémenté de petites touches de couleurs à l'intérieur. Soit pour appuyer les couleurs alentour, soit pour en fait aller avec tout ce qui va sur la figurine aussi. Donc c'était ça, et puis après derrière, bah, si tu fais en sorte de comment bien tirer la peinture et vers les ombres quand tu fais tes ombres et vers la lumière quand tu fais la lumière, déjà c'est mieux. Après, comme je disais tout à l'heure, hein, réussir à comprendre les volumes, à les visualiser, c'est pas simple non plus, parce que c'est tout un ensemble, hein, en plus sur une figurine. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en gros, tu regardes ta figue là, et tu te dis, bon bah ok, cette plaque d'armure, c'est un volume, cette plaque d'armure, c'est un volume, ce bout de cuisse, c'est un volume, ce bout de tissu, c'est un volume, la peau, c'est un volume, ça, c'est un volume. Ben, chaque pli, en fait, c'est un volume, et c'est tout cet ensemble de volumes qui s'associent pour former la figurine. Donc, ce qui est pas évident, c'est de comprendre en fait où se situent ces volumes pour gérer les lumières dessus et puis les intensités que tu vas y apporter, quoi. Pour que en fait, t'as tel élément qui soit plus important qu'un autre. Tu vois, c'est là, par exemple, ce qui est pas simple, c'est que c'est une figurine qui, je trouve, est plus complexe parce qu'elle forme vraiment un ensemble. Tu vois, on va pas avoir comme certaines figues où tu vas avoir une grosse arme qui se voit tout de suite, ou la tête qui ressort tout de suite à cause du casque, ou un truc comme ça, ou une armure trop proéminente, c'est pas le cas. Là, c'est tout un ensemble qui se fond. Donc, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir réussir en fait à associer un peu toutes les couleurs bah, qui marchent bien ensemble, quoi. Par rapport à ce que tu veux faire ressortir. Parce que ça peut être pas mal, hein. Moi, je sais que c'est ce que je fais à la base quand je peins une figue, c'est que je me dis que je la regarde 2 secondes. Bon, ça va plus vite maintenant parce que j'ai l'habitude, mais je vois la figue, je me dis, tiens, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois faire ressortir sur cette figurine? Et en gros, c'est à partir de là où tu vas décider de soit d'utiliser des couleurs un peu plus saturées pour ces zones-là, ce qui fait que le reste, tu vois, sera un peu plus écrasé. Soit un vêtement en cuir, hein, honnêtement, on s'en branle, c'est juste un vêtement en cuir, quoi. C'est pas important. Il va juste être là pour accompagner le reste. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe de. Pas faire du saturé partout ou pas faire du désaturé trop partout. Ça. Il faut réussir à équilibrer l'ensemble et rapporter des petites couleurs un peu plus chaudes. Avec, puis voilà, oui, t'as le jeu justement couleur chaude, couleur froide aussi. Voilà, par exemple, c'est ce que j'ai fait un peu là-dessus, c'est que le noir, il a plus de couleurs froides. Et puis du coup, ben l'épée, pareil, c'est plus de couleurs froides. Mais dedans, t'as un jeu avec du bleu et puis du jaune. Et puis à côté, ben t'as un drapé là qui est un peu petit peu plus chaud. Donc, parce que tu as des couleurs, pareil, un petit peu plus jaunes dedans, qui vont venir un peu accompagner l'épée, qui vont venir un peu accompagner le tissu. L'armure, en vrai, ben, elle est vachement claire. Donc là, c'est pas vraiment les couleurs qui vont jouer, même si le violet va lui apporter un côté un peu pâle. Enfin, un peu froid, je veux dire. Donc, à partir de là, c'est là où le tissu il va permettre de réchauffer, puis la peau un petit peu aussi. Voilà, en fait, c'est avec ça qu'il faut réussir à jouer sur une figurine pour réussir à porter un truc équilibré, quoi. C'est pas toujours évident. Donc voilà, et si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Parce que là, j'ai travaillé un peu tous les éléments, je pense que je ferai pas plus. Parce que j'en fais déjà un peu trop dans la semaine, donc ça me va, Non, mais là, c'est bon, il est 17h30, donc il peut répondre aux questions là. que Ouais, vous avez. voilà, si vous en avez un ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Puis après, ben, il y a plein d'autres sujets hein, sur plein d'autres trucs Rackham. Ça peut On mettra t'intéresser. toutes les couleurs sur Discord.
Sur le Discord, je mettrai toutes les Ouais, couleurs de toute façon, qui Stéphane, après, il les correspondent connaît. au schéma de couleurs, etc. Alors, je vous mettrai pas le tuto sur le Discord, mais je vous mettrai les couleurs et les schémas de couleurs. Donc voilà un peu l'idée. En tout cas, sur les Sinwall, c'était un peu comme ça que ça se jouait. Mais c'est rigolo d'en reparler. De toute façon, je la finirai, je pense. Pas tout de suite. Je vais attendre de finir ce que je fais en boulot. Et puis, je pense qu'après la figue que je fais en boulot, pourquoi pas la finir, tiens. Enfin, je vais voir. Je sais pas encore. Ça va dépendre parce que je peux vite changer d'avis. Ou me dire qu'il faudrait mieux que je refasse un truc de boulot avant. De toute façon, il ne faut pas en faire plaisir en même temps. Oui, enfin après le boulot, c'est le boulot, donc c'est Oui, encore c'est ça. différent. Mais après. Pour moi, dans le boulot, le plaisir, il est autre. Il est dans le projet que tu vois dans l'ensemble. Tu vois, puis c'est toujours rassurant d'avoir du boulot aussi. C'est clair. Surtout après tout ce temps, ça fait plaisir. Parce que mine de rien, il y a de plus en plus de monde. Tout a vachement évolué hein, depuis. Hein. C'est assez impressionnant. Surtout, les gens, ils n'aiment plus du tout pas obligatoirement la même chose que nous à l'époque. Oui, c'est ça, bien sûr, hein, tout change. Donc voilà, quoi. Ça passe vite, hein, quand même. T'imagines, hein, quand je fais des streams aussi longs? Ah, je sais pas comment tu fais, hein. Ben, moi, je m'arrête après. Je fais souvent 3 heures, 2-3 heures de stream l'après-midi. Je coupe et le soir, je refais 2-3 heures. Sinon, c'est pas possible en fait. C'est compliqué. Bah c'est pas évident, mais bon ça va en fait, c'est sympa. Ouais, en plus, Ça change. tu discutes direct avec les gens, donc c'est vachement bien. Il est loin le temps des bords de Socle Vert, c'est clair. Ah, mais ça Putain, n'empêche les que Socle j'aime Vert bien, Gobelins, moi. c'est pas beau, hein. Ah, moi, j'aime bien les socles verts. Putain, je déteste, moi. Ah, moi, je trouve ça trop cool. Je déteste. C'est trop old Je school. crois que j'adore les trucs old school, bien pétants, avec les couleurs bien flashouilles des années 90, hein, vraiment, j'adore ça. Mais putain, c'est clair que les socles verts gobelins, qu'est-ce que je déteste ça. Je trouve ça moche. Mais moche. Je vois la différence avec la peinture de Nico. Perso, je préfère la tienne plus lissée. Mais c'est le côté périmé, ouais, c'est ça. Bah Bien après, sûr c'est que un style. ça. C'est Siegfried. Après, c'est un style très Ah différent. oui. Hein. Enfin, c'est un peu l'opposé, hein, parce que c'est. C'est. Moi, je sais que c'est un truc qui se faisait. Alors voilà, à l'époque, bon, bah, c'était les dégradés. Moi, j'étais formé aussi comme ça. Et je vois, même Vincent, en fait, qui était dans l'équipe, le mec qui faisait quand même le plus de textures, bah, sa peinture, elle était lisse, quoi. Malgré les textures, en fait, c'était vachement lisse et c'était vachement chiadé. Surtout quand il pouvait passer du temps. Parce que des fois, il pouvait pas forcément passer tout le temps qu'il voulait. Mais alors, putain, quand c'était le cas, c'était mortel. Hein. Waouh. Moi, je me souviens qu'il y avait des trucs qui m'avaient bluffé. Un de mes trucs préférés qu'il avait peint, c'était le clone d'Irs Nefarius. Parce que là, il s'était bien fait plaisir et ça se voyait, quoi. C'était vraiment très beau. Mais bon, après, c'est un autre style, hein, c'est tout. Après, chacun. Voilà. C'est plus brut, mais c'est la couleur qui tape plus à l'œil. Ben oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est plus brut. La peinture est brute, le visuel est brut. C'est plus fait pour rentrer dans l'art. En fait, moi je trouve que ça me fait penser un peu, presque, à un côté impressionniste. C'est-à-dire qu'on cherche tout de suite à rentrer dans l'art. Donc graphiquement, ça marche super bien. Il y a vraiment, je trouve, une mise en valeur graphique assez illustration qui est vraiment mortelle. Après, voilà, c'est un autre truc différent. Moi, je suis pas du tout comme ça. Bah, tu te retrouves sur de l'extra mat et toi du brillant. Donc c'est complètement l'opposé. C'est la traditionnelle guéguerre entre la texture et la peinture, brillant, satiné, transparent, etc. Et ceux qui ne veulent aucune texture, full mat partout, ouais, c'est ça. Hein. Mais bon, c'est des styles maintenant, c'est comme ça. Il y en a de plus en plus, mais après, c'est bien. Au moins, ça montre que la peinture ça évolue, que ça change, que c'est pas toujours la même chose. Moi, je trouve que d'un côté, c'est positif. Parce que après tout, c'est un support et En fait, c'est bien que les gens s'expriment et Il voilà peint quoi. par rapport à son support, c'est-à-dire que lui, son support, c'est visuel internet écran, lui Ouais, s'en c'est prend ça. visuel internet écran.
C'est pas un Ouais, c'est ça. visuel, c'est toi. Nous, on est plus un visuel à l'ancienne où on regardait les figurines dans les vitrines, on disait waouh, ça défonce. Que lui, c'est pas la même chose. Il y en a plein hein, qui sont comme ça d'ailleurs. Bah, c'est normal parce qu'ils montrent tout via leur écran. Et donc voilà. Après, c'est des travaux différents. Il y en a un qui est plus long, l'autre qui est plus rapide. Des coups de pinceau un peu plus bruts, un peu moins glacés, Mais graphiquement, c'est un fort. peu saturé beaucoup plus que l'autre, etc. etc. C'est tout plein de choses comme ça en fait. Non, puis ça va vite. Moi, je sais pas faire vite. Oui, on tire des façons de faire, on apprend des choses nouvelles, mais voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que de toutes ces façons, de toutes ces méthodes, quand on s'en nourrit, on s'en enrichit, donc on peut y trouver en fait chacun ce qui lui plaît. Et puis quelque part, ça peut aussi, on va dire, un peu ressurgir dans ce qu'on fait, quoi. Indirectement. C'est comme ça, hein. Parce que de toute façon, on s'inspire forcément de quelqu'un. Et puis petit à petit, on crée un petit peu ces choses, hein. Bah, ce mat, je pense que c'est l'inspiration des Espagnols d'il y a Ah ben c'est 7-8 sûr. ans, je Mais pense, ou c'est une l'esprit. dizaine Mais d'années. oui, c'est l'école espagnole, c'est C'est évident. l'école espagnole. C'est évident. Évident. Et donc, pour c'est la grosse saturation aussi. Parce que de toute façon, D'où les nouvelles tu peintures vois aussi. tous les Sergio et compagnie, c'est eux, ils ont apporté un peu tout ça, hein. Et par contre, leurs figues, moi je les ai vues en vrai. Il y en a des superbes. Hein. Perso. Ce qui reste le plus gênant, c'est de ne rien faire de ses inspirations et de juste copier pour copier. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais bon, au bout d'un moment, bah. Après, oui, c'est ce que je trouve un peu dommage. C'est là, actuellement. T'as un peu le paysage figurinistique qui se ressemble beaucoup. Mais c'est comme à une époque, regarde. À l'époque de Rakata, Regarde, de moi Dubois, j'ai là. souvenir d'une époque où t'as Cyril Abati qui a claqué son style et tout le monde copiait du Cyril Abati. Tout le monde foutait du marron dans les ombres, etc. Et c'est très rigolo et ce côté très léché. Et c'est marrant hein, de voir ça. De voir un peu Bah, comment. c'est une sorte de mode, hein. C'est comme tout, c'est un cercle, hein. Le C'est ça. satiné, le mat, le mat reviendra, etc. etc. C'est comme tout, hein. Du moment que l'on ne fait pas du Picasso, ça me va, car bonjour la gueule des figues. Ouais, après, faut voir. Hein. Bah non, du Picasso Si en c'est 2D, bien c'est con... bien, hein. Si En c'est 3D, moi, par contre. bien construit, ça peut le faire. Hein. Je sais pas, hein. Je testerai pas, je sais pas faire ça, mais... Mais bon, voilà. Enfin bref, c'était un peu là le truc, comment ça se passe sur le... Sur la peinture chez nous, quand on faisait ça. Et c'était marrant. Putain, je suis crevé là d'un coup, là. Oh C'est normal, en fait. T'inquiète pas. De parler là, j'ai pas l'habitude de parler autant la journée. Ah bah Moi ça, je parle pas, moi. moi le stream il est fait pour moi. Moi je parle des heures Ah, mais pour lui, nous. il pourrait tout vendre, Ouais. J'ai vendu 3-4 fois ma mère à Boulogne et j'ai récupéré des bonnes étoiles. J'ai eu 4, 5 et 6 étoiles, c'était pas mal. Ouais, j'ai corrigé la figue au bout de 3 heures. Ouh. Mais voilà. De toute façon, nous, la soirée, elle continue, hein. Ceux qui kiffent, on Oui, on continue. va lancer des dés après. On va lancer des dés. On va casser des culs aux démons. Et aux trucs du chaos. Je sais pas, je me rappelle plus comment c'est le scénario. Bon, de toute façon, Blackstone, c'est majoritairement des trucs du chaos. Ouais, c'est ça. C'est ça, Putain, c'est j'ai bien. jamais joué à ça. Ben, c'est bien, hein. On Oui, il a paraît que fait. c'est bien. Ouais. Et c'est Monsieur Stéphane Nguyen Hein. Ouais, qui a c'est gagné. génial. Avec toutes ces figurines peintes. Maître Stéphane va nous faire un beau jeu. Oui, il y a trois, je me souviens du cours sur le radeau de la Méduse avec le rappel des couleurs. Eh ouais. Ah bah Ouais. ça j'utilise beaucoup moi aussi. Avec le triangle. Ouais, c'est ça. Pour égaliser, sinon c'est pas. Et ça je le fais beaucoup, hein. 2 heures dessus, eh ouais. Bienvenue dans mon monde. Mais c'est pour ça, des fois, je crise un peu parce que je me dis que j'exagère, hein, ou je passe trop de temps, mais bon, je peux pas me refaire là. C'est fini. Marron caca qui répond au marron chiasse. Ouais, voilà. On y est. C'est Doom ça, non? Ou C'est c'est Rémi. Rémi? Un des deux. C'est un des deux parce que je commence à les connaître les deux.